Alors, le monde d'aujourd'hui, il est VUCA. Alors, VUCA, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est V pour volatile, U pour incertain, en anglais, C pour complexe, et A pour ambigu. Et effectivement, on voit bien qu'avec toutes les crises successives et simultanées, eh bien, qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer le jour d'après. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'un nouveau style de leadership, qui est ce que nous appelons, nous, le leadership adaptatif. Ce sont des personnes, et chacun d'entre nous, nous sommes appelés, en fait, à être ces personnes. Eh bien, nous devons nous ajuster en permanence, rapidement, à des situations, des personnes, des parties prenantes, et tout ça est en constante évolution. Alors, l'enjeu, il est énorme, il est vraiment de taille, en particulier pour ceux qui sont en position hiérarchique. Parce qu'il s'agit pour eux, en fait, d'arriver à réengager ou d'engager tout simplement leurs équipes pour qu'elles deviennent encore plus performantes au bénéfice du bien commun, donc de l'équipe elle-même, de l'organisation à laquelle ils appartiennent et de la société. Alors, pour expliquer ce que c'est que ce leadership adaptatif, Oana et Mélanie ont préparé 3 webinaires. Le premier sur le leader et vous, le leader en vous. Le deuxième sur le leader avec les autres. Et le troisième sur le leader pour les autres. Alors, le leader et vous, le leader en vous, eh bien, c'est tout simplement que ce leadership adaptatif, il vient de l'intérieur. Il vient vraiment de vous. C'est vraiment votre personnalité. Et nous le devenons, chacun d'entre nous, si nous choisissons, par une transformation personnelle qui se fait petit à petit. Le leader avec les autres, eh bien, il s'agit de construire ce monde. Alors, certains vont dire ce monde de demain, moi je dirais plutôt ce monde d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Eh bien, il s'agit de le faire avec tous. Et donc, il faut être inclusif pour permettre à chacun d'entre nous, à chacune des personnes d'une équipe, d'une organisation, eh bien, de contribuer à ce bien commun. Après, le leader pour les autres, alors là, on touche au modèle ultime, qui est le servant leadership, donc le leader serviteur. Et là, il est véritablement au service des autres, de ses équipes, et il va faciliter leur travail. Alors, ces 3 webinaires, ils sont là pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est le leadership adaptatif, avec Oana et Mélanie. Et moi, je suis vraiment un très gros fan d'elles deux, et j'y serai moi-même. Donc, à très bientôt.